Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, mon objectif ici en tant que rapporteur était de lancer un message fort afin de mettre fin au régime transitoire, source de failles, creusant toujours davantage l'écart de TVA, et je veux remercier les, rapports, les rapporteurs fictifs pour leur collaboration. Ce rapport a été voté en commission ECON à une large majorité, montrant ainsi un front uni pour proposer des solutions à des questions restées en suspens depuis plus de quatre ans, ce rapport d'implémentation porte en effet sur des problématiques particulièrement sensibles qui touchent à la fois aux politiques des États membres, à l'efficacité du marché intérieur, à la transition numérique et environnementale et au bien-être de nos concitoyens. Si l'écart de TVA dans l'Union est passé de 20 en 2009 à 10 en 2019. Il varie considérablement d'un État membre à l'autre, ce qui nuit au budget de l'Union, aux entreprises et aux citoyens européens. À ce premier élément s'ajoute l'ampleur des différences des taux standards entre les États membres et la multitude des taux réduits et spéciaux. Cette complexité est source d'opacité, de coûts de conformité, d'erreurs, mais aussi de fraude. Elle limite fortement la cohérence et l'interopérabilité du système de TVA, et fait perdre à l'union quelque cent trente quatre milliards d'euros en deux mille dix neuf c'est pourquoi notre rapport propose plusieurs options stratégiques. nous proposons tout d'abord d'identifier les bonnes pratiques existantes au niveau national afin de les appliquer à une réforme à l'échelle européenne. nous estimons ensuite indispensable de procéder à un examen minutieux des taux réduits et des taux spéciaux afin de réduire le coût de conformité Moderniser, rationaliser le système fiscal dans un souci de cohérence. Nous estimons aussi que si la pandémie a catalysé le développement de la numérisation pour toutes les transactions, il faut encore garantir la transparence, la responsabilité et la déclaration automatisée, indispensables pour un régime de TVA définitif, simplifié et pérenne. Mais la Commission doit aussi soutenir nos PME dans l'acquisition des technologies et du savoir-faire. En outre. Nos entreprises ont urgemment besoin que la base de données Taxis in Europe soit pleinement opérationnelle par le biais d'un accès rapide, actualisé, précis aux informations pertinentes sur la mise en œuvre du système de TVA dans les États membres et en particulier sur l'ensemble des taux de TVA standards et inférieurs. Enfin, nous proposons d'accompagner la transition climatique en faisant sortir progressivement de la liste des dérogations aux taux standards les produits nocifs. Mais aussi ceux qui sont hautement polluants. Un tel phasing out devra inclure des mesures de compensation et des taux réduits sur les produits de première nécessité afin de venir en aide aux ménages à bas revenus. Le 7 décembre dernier, les ministres de l'ECOFIN ont approuvé la réforme tant attendue de la directive relative aux taux de TVA. Cette réforme prévoit, comme le souhaitait le Parlement, ce phasing out pour les combustibles fossiles ou les produits nuisibles à l'environnement, une accélération de la numérisation et ne veut laisser personne au bord du chemin. Il appartiendra donc aux États membres de l'Union européenne de garantir un juste équilibre entre le respect des taux standards et des dérogations admises, mais aussi d'éviter d'éroder l'assiette fiscale lorsqu'ils utiliseront les nouveaux taux réduits de TVA.